young at heart. We're still dreaming, eyes wide open. Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 96e épisode de Madventure. Plus que 4 épisodes avant la fin, c'est incroyable. Merci de suivre encore la série, malgré que vous connaissez la suite. Juste, je profite des premières secondes pour vous dire que oui, Madventure ça se termine. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris quelque chose. C'est que la série, je l'arrête, mais à tout moment, je pourrais refaire des vidéos dessus. Genre, je fais ci, je fais ça, machin, en vidéo, tu vois. Mais ce sera juste plus sous forme d'épisodes et ce sera des petites compilations de 5-10 minutes en fonction de mes envies. C'est juste que la série s'arrête officiellement, mais à tout moment, je peux revenir faire des vidéos sur le serveur, puisque je continuerai de jouer sur le serveur hors vidéo. Vous m'avez compris. Bref, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et à la miniature, c'est incroyable. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour m'encourager. Nous allons commencer, j'espère terminer, la maison hantée. Il était temps, ça fait plus de 6 mois, je réalise pas hein, mais ça fait plus de 6 mois qu'on en parlait de ce projet. Bon, attends, on va dormir d'abord parce qu'il fait nuit, on va un petit peu dormir. Mon ancienne maison, on va la transformer en version hantée. Je me suis un petit peu, enfin j'ai un petit peu regardé vos commentaires, vos idées. Alors j'appliquerai pas tout, c'est surtout mes idées à moi qui me viennent en tête. Et puis surtout parce qu'il y a des trucs que je suis incapable de réaliser, que vous m'avez proposé, genre faire des systèmes de redstone trop compliqués avec des pièges et tout, c'est un peu terrible. On va voir comment on va faire. Donc regardez bien, retenez bien cette maison. Alors d'ailleurs regardez, la neige a fondu, ça y est, c'est la fin de l'hiver. Enfin c'est toujours l'hiver mais je veux dire il n'y a plus de neige, voilà. Alors l'eau elle est toujours un peu froide, vous pouvez le voir, regardez, l'eau elle est un petit peu dégueulasse. C'est juste le temps qu'on soit en hiver encore, puisqu'il fait un petit peu gelé, mais il n'y a plus de neige et ça fait plaisir. Donc regardez bien la maison, il n'y a plus de neige, la maison elle est normale, il y a du feuillage autour. Le feuillage on va pas l'enlever parce que ça va rajouter un petit peu cet aspect hanté. Je vais vous montrer, j'ai préparé des trucs en off les amis. Attendez juste par contre ce coffre. Oh putain, ça fait depuis super. Eh mais c'est génial, je vais me servir de ça parce que ça me servira. Ah j'avais pas fait attention, je vais me servir de ça si jamais. Et une pioche encore. Putain, c'est vrai, ça fait longtemps qu'il y a ça qui est dehors, ça aussi j'ai besoin. Impeccable. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé en off les amis pour faire la maison hantée tout simplement. Là il y a des nouveaux trucs là les amis que j'ai fait en... Pas en off, on a fait ça. Bah regardez le point de vue de BXNO. Sur la chaîne de BXNO on a tourné des épisodes ensemble et vous comprendrez pourquoi il y a un trou. Ok, le coffre il est là. On va se servir un petit peu de tout ça. Donc des lianes, j'en ai que 5 malheureusement. Mais comme j'ai des cisailles, bah, on devrait en récupérer plus. J'ai des pousses d'arbres, l'idée c'est de... d'enfermer un petit peu la maison, de mettre plein d'arbres autour pour que ça fasse peur. Et tout ce qui est mossy, cobblestone, mossy, cobblestone wall, tous les trucs, voilà, iron bar. L'idée c'est que ça fasse casser, hanter, bizarre quoi. Il y a des toiles d'araignée que j'ai récupérées avec les cisailles également. J'ai préparé des packs de pression, des tableaux. Et j'ai 4 notes blocs en rab. Aussi quand on rentre dans la maison, vous savez qu'il y a le jingle de Madventure qui se lance. Et ben on va le déformer. On va faire tout ça ensemble les amis dans cet épisode, ça va être incroyable. Est-ce que j'ai ma shulker box sur moi? Normalement non, évidemment je ne l'ai pas. Bon, elle doit être chez... Non, je sais pas où elle est. Je crois qu'elle est vers l'aquarium, donc tant pis. L'aquarium d'ailleurs on l'a terminé hein. Enfin on l'a terminé, il n'y a pas les poissons dedans. Mais on a terminé de bien faire l'intérieur. Je vous montrerai si j'y pense. Peut-être pas forcément, on va se concentrer sur la maison hantée. J'ai pris des 6 pickles aussi, elles sont où? Elles sont là. Si jamais, ça peut toujours servir, ça fait de la petite lumière. Donc on verra, est-ce que je peux... Non, je peux pas tout prendre, alors on va jeter le bateau. On va jeter quoi? De quoi j'ai pas besoin? Cette barrière j'en ai pas besoin puisque j'ai déjà un stack sur moi. Par contre, ça en prend, et j'aimerais bien prendre les packs de pression en bois. Donc on va prendre ça à la place de 4 mossy stone, ça devrait le faire. Voilà, donc on est parti les amis, direction l'ancienne maison, et on va la rendre hantée. On va voir comment on va faire ensemble. Ok, donc, ah oui, j'ai pas de bonne mine sur moi, de toute façon on va pas encore planter les arbres tout de suite, très clairement. Bah du coup ça sert à rien que je les prenne, bon c'est pas grave. Évidemment, on va pas planter les arbres tout de suite. Première étape, les amis, on va rendre dégueulasse. Bon, elle est déjà dégueulasse, la maison. Hein. Mais on va la rendre un tout petit peu plus dégueulasse. Mais du coup... Ah, on pourrait mettre aussi des chorus flowers autour. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Je vais tout oublier, à mon avis. Attendez, vous savez par quoi j'ai envie de commencer? J'ai envie de commencer par ça. Le jingle de Madventure. Est-ce que j'ai un coffre? Est-ce que j'ai un coffre qui traîne à quelque part? Non. En fait, j'aimerais un coffre vide. Attends, bah, c'est pas grave. On va... Ah là j'ai un coffre vide, alors attends, c'est quoi, on va jeter la chair putréfiée et on va mettre tout ça à l'intérieur les amis. Voilà, comme ça, tout ça c'est ici, c'est bien stocké, il n'y a pas de souci. Ok, impeccable. On va prendre une plaque de pression en bois et je crois que le système fonctionne encore, on va voir. Non, le système ne fonctionne plus. Donc on va commencer par ça, c'est vrai que, je rappelle, il y a très longtemps, ça fait plus d'un an, même deux ans, que Toonfou il avait tout fait péter. Ah la redstone, alors j'ai de la redstone sur moi normalement. Ah non, j'ai pas pris de redstone, je suis un caca. Attendez, le coffre est où? Il est là. J'ai pas pris de redstone mais j'en ai à la maison. On va vite faire un petit aller-retour, ça va être très rapide les amis. On va relier de nouveau, hein, je vous rappelle hein, pour ceux qui, si jamais vous avez peut-être pas connu l'époque là,
Mais il y a des notes blocs qui font le jingle de Madventure qui sont à la cave. Et c'est relié avec le système de Redstone jusqu'à la plaque de pression. Donc dès qu'on marche dessus, ça fait la musique d'intro de Madventure. J'ai de la Redstone, bien évidemment. Bon, j'ai pris un stack, mais évidemment, on n'en aura pas besoin d'autant. On va aller voir ça. Il se peut que BXNO rejoint le serveur pendant que je tourne une vidéo. Si j'ai bien compris, elle m'a dit que potentiellement elle viendrait. Elle a fait un jeu de mots, enfin pas un jeu de mots, mais elle a fait la blague qu'elle viendrait me hanter, puisque je fais la maison hantée. Alors, ok, on va descendre. J'aurais dû réfléchir avant de descendre. La redstone, elle vient là. Tac, tac, tac. On va la faire monter. Et la plaque de pression, elle est où hein? Parce que j'ai pas réfléchi. Elle est là, elle est là. Ok. Donc, il faut que... Là, voilà. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, pour sortir de ce merdier, je ne sais pas comment faire. Tac. Alors... Impec, on casse, est-ce que ça fonctionne? Impec. Est-ce que vous entendez? Alors je vais baisser le volume et je vais augmenter. Non, le jackbox c'est déjà au max. Attends, je vais couper à la limite. Je coupe tous les sons, comme ça vous voyez de quoi je parle. Je coupe tous les sons sauf le note bloc. Écoutez bien. Voilà. Voilà, je vais remettre les sons bien évidemment. Maintenant vous voyez un petit peu le délire, comme ça vous l'avez réécouté une dernière fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérégler la mélodie. Tout basiquement en fait, c'est que... oh attendez, j'ai une idée, ouais, mais vous inquiétez pas, il me faut juste une vitre. Ouais, forcément j'ai une vitre ici, c'est sûr. J'ai forcément une vitre à quelque part. Eh, j'ai bien une vitre. Bon, sinon tant pis, je fais pas le truc, mais... J'ai pas de vitre. Oh les mecs. Bon, c'est pas grave, tant pis, je vais pas faire mon idée. En fait, je voulais remplacer la rythmique et tout et mettre une autre sonorité, mais on pourra toujours... Rien nous empêche de le faire plus tard ou ultérieurement, enfin voilà quoi. Donc le système, il est là-dessous. Le voici, la redstone, elle passe là, et donc voilà. Le jingle de Madventure. Et en fait, ici, il y a un petit... pour marquer un temps de pause, et du coup, je voulais mettre de la glace en dessous, enfin, une vitre en dessous pour pouvoir faire une autre sonorité, mais... Eh, si on met du bois en dessous, ça fait une autre sonorité, non? Oh ouais, écoutez. Ah mais pas du tout. En fait c'est la même chose que là. Bon je... Je sais pas, normalement il y a un bouton pour écouter. Bon je sais pas. On va dérégler les notes en tout cas donc... Voilà, en fait, la technique pour faire un petit truc qui fait un petit peu peur, mais pas qu'il fasse peur vraiment, parce que là, évidemment, ça fait pas peur, mais c'est de mettre une note en dessous, en fausse, tu vois, genre. Attends, non, encore une. Ah, voilà. Attends. Voilà, en fait c'est pas assez abusé. Faut que je fasse une note super aiguë ou super grave. Voilà. Non. Ok, on essaye. Faut dérégler la rythmique aussi, faut plus que ça aille la même rythmique. Sinon c'est trop rassurant parce que là ça fait pas peur. Attends, est-ce qu'on peut augmenter le volume un peu là? Oui, voilà. On va essayer. Tu vois, quand c'est pas la même rythmique, tout de suite, ça fait bizarre. Et maintenant, vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie que cette note, elle soit répétée plusieurs fois en... Comme j'ai... Ah non, je les ai pas sur moi, mais normalement, j'ai 4 petits blocs dans un coffre. J'ai une petite idée. Bon, c'est pas non plus le truc le plus fou, mais je suis content parce que ça rend comme je le voulais. Je voulais juste que ce soit pas pareil, en fait, c'est tout. Ah, mais j'ai pas de repeater sur moi. Bah, c'est pas grave. On va prendre cela. Après, on fait... Tac. Ouais, voilà. On va en mettre un là, faites-moi confiance hein. Voilà, là on en mettra un autre. Enfin juste une petite torche parce que je vois rien. Tac. Et puis bah on va se contenter de ça. Il me reste un repeater. Donc on va remettre là. Voilà, du coup on va chercher deux notes blocs. Attends, pour éviter de faire des allers-retours inutiles, j'essaie de réfléchir, qu'est-ce qu'il faudrait descendre? Ouais, j'ai pas de vitre hein, sur moi. Mais comme on va péter des vitres... Ah, mais on va péter des vitres. Est-ce qu'avec la cisaille, on peut péter les vitres et les récupérer? Très bonne question. Les cisailles.
Je dois les avoir. Hey, elles sont où les cisailles, frère? Putain, en plus elles sont devant moi, je le sais, mais je les vois pas. Elles sont où les cisailles? Non, je les ai pas prises en tous les coups. Bon, bref, il me faut quoi là? J'ai oublié les notes blocs, voilà. Bon, on va prendre les 4 tant qu'on y est, ça nous évitera de refaire des allers-retours. Et j'ai pas un bloc spécial qui peut faire une autre sonorité là? Ah, mais si, là j'ai de la glace, c'est bon, on va se contenter de la glace verte, c'est cool. Ça devrait normalement faire une autre sonorité. On va découvrir ça ensemble. C'est vrai que c'est vieux, mais moi j'ai jamais découvert ça. Donc on va voir. C'est une vieille nouveauté ce truc, mais on va voir. Donc, déjà, on va placer notre bloc là. Ah, ah, il faut que ce soit là. Tac, tac. Alors c'est quoi que sonorité? Ok. Ah, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un bloc en dessous? Non. Il y a des zombies. Pourquoi ça marche pas? Ah, à cause de la torche. Ah! Ça marche pas. Ah, faut pas qu'il y ait de bloc en dessous. Bon, alors attendez, on va se... Voilà. Ah bah c'est bon, j'ai la bonne sonorité et là pareil. Ah mais là ça marche pas non plus du coup. Mais je peux pas casser parce qu'il y a le nether derrière je crois. Ah il y a une échelle, oh j'ai cassé une échelle, oh je suis une zizi. Bon. Bah on va laisser ça, attends on écoute quoi? Attends d'abord juste aussi ici, on va mettre la glace pour voir. Attends, ouais j'ai pas la hache sur moi, faut que je casse à la pioche. Pour voir si ça change la sonorité, normalement oui, on va découvrir. Oh putain. Ah j'aime bien, voilà. Oh putain, c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien. Là, on n'a pas l'ambiance qui va avec, mais en vrai, ça rend trop bien. Ok, bah c'est nickel, impeccable. J'aimerais juste réparer les conneries que j'ai fait. Hein. Réparer les conneries que j'ai fait. Alors, où c'est... Ok, il y a des pigments qui viennent ici. Où c'est que j'ai cassé un truc? Ça va être là. C'est pas ça. J'ai cassé une échelle. Où c'est que j'ai cassé une échelle? Allez, mec. Ah, je sais, il faut que je monte là. Je connais même plus ma maison. Hein. Là. Ici, là, il manque une échelle. C'est là que je l'ai pété. Donc, elle est tombée. On va la chercher. Et d'ailleurs, attendez, on va juste regarder un petit peu la salle à mob, voir si ça a bougé. Évidemment, n'importe qui peut se servir. Donc, peut-être qu'il y en a qui se sont servis. Il n'y a pas de souci. Ok. Ouais, il y en a qui se sont servis. Ok. Ok. Bon, voilà, c'est juste pour voir si ça a fonctionné. Impec. Donc, on remonte. On va mettre l'échelle. Et on va. Donc, ça, c'est fait. Au niveau de la musique, c'était le premier truc que je voulais faire. Maintenant on va rendre dégueulasse la maison avec de la mossy cobblestone. C'est à dire qu'on va transformer, on va changer quelques blocs de cobble en mossy cobble. Et tout ce qu'on va pouvoir faire comme ça, on va rajouter du feuillage, de la verdure, des lianes à la fin, etc. Après on cassera des blocs et des vitres, etc. Enfin voilà, on va faire ça. Par contre il fait nuit, ça c'est chiant. Donc on va vite dormir, il me reste normalement un lit là-haut. Impec. On peut toujours dormir. Petit panneau pour venir hanter tes nuits. Hanter, c'est le cas de le dire. D'ailleurs les amis, oh, oh là là, eh, au bout du 96e épisode j'y pense. Regardez, j'avais oublié, normalement il est toujours. Il serait temps de le faire, hein. Il serait temps de le faire, je l'avais jamais fait. Me demandez pas pourquoi. Elle est là, voilà, eh. Salut toi, ça va? Allez ça dégage, hein. Voilà, vous pouvez faire un screen si vous voulez de ce message dans le chat. Ok, ça c'est fait. Du coup ben maintenant on peut agrandir ce mur. Oui parce qu'à la base j'avais mis un mur pour cacher ce chien je crois. Ou alors je sais plus pourquoi je... Ça date tellement. Ah non c'était pour cacher cette laine. Je ne sais pas du tout. Eh tu sais quoi je vais laisser. Au pire c'est pas grave. Ok donc on va sortir de la maison. On va faire la façade extérieure avec de la mossy stone par endroit. Et on s'occupe de l'intérieur plus tard. On va juste fermer ça. Eh c'est effrayant hein. Ah mais attends, mais je peux pas faire si j'ai pas ce qu'il me faut. Donc je range ça, je range ça. Non, je vais garder la cobble sur moi. Très bien, ça je range. Il me faut ça, il me faut... On va prendre ça. On bat tout ce qui est mossy quoi. Normalement j'avais aussi ça, voilà, impeccable. Ça, et... Pour le moment on va se contenter de ça. Ah si, les barrières après quand on va les casser. Enfin les vitres on mettra des barrières à la place. Vous voyez ce que je veux dire, par endroit on va faire ça. Voilà, faites-moi confiance, parce que hey, je fais pas des trucs beaux, mais par contre des trucs moches, je sais le faire. Et là, le but, c'est juste de rendre tout ça moche. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même pas non plus compliqué. Faites-moi confiance. Attends, pour le moment, on va s'occuper voilà, de tout ce qui est stone brick. Ah, par contre, pour moi, ça fait trop symétrique, là. Non, c'est bon, c'est impec. Faut pas que ce soit symétrique, évidemment, faut que ce soit naturel. Ok, là, ça, c'est fait. Pareil, là, on va casser là. On va mettre, hop.
Alors c'est le problème, faut pas trop en abuser ici. De toute façon, on mettra des liens et tout, mais parce que j'ai pas beaucoup de... Vous voyez, il m'en reste 22. Alors on va faire cette façade là. Tac. Ici. Bem. Là-haut. Voilà. Allô. Impeccable. Ce côté également. Impeccable. On va garder une torche dans la main, ça éclaire un tout petit peu, c'est pas mal. Voilà, on n'abuse pas trop. Là, on en met. On va en mettre deux là, tu sais quoi, voilà, pour changer. Là où je peux pas accéder de toute façon. Pour le moment. Aïe, je suis tombé dans l'eau. Ici, autant le faire aussi. Eh, d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, ça, là, j'ai envie de le faire effondrer aussi. Genre, que ce soit un peu cassé par endroits. Et qu'il y ait des lianes qui tombent. Ah, ouais, on va faire des lianes qui tombent. Et attendez, il y en avait qui me proposaient de mettre de la lave à la place de l'eau. Mais ça, c'est mort, les mecs. Hein. Autant on saccage la maison, mais j'ai pas envie de saccager tout le décor à cause de ça. C'est quoi, on va mettre une liane là. Normalement, ça va pousser. Puis au pire, je pourrais en récupérer ailleurs. Ça va pousser, ça va tomber, non? On va voir. Normalement, c'est censé tomber. Ça peut être sympa. Donc, attendez, ce qu'on va faire. Je suis perdu, hein. En fait, bon, on va monter. On va monter, on va rentrer à l'intérieur, on va monter. On va directement se mettre là. Et de toute façon, comme on va casser les barrières, on peut casser ici déjà. J'aimerais faire tomber une liane là. Et autant abuser jusqu'au bout, on va mettre une troisième. Tu vois, il y a déjà une feuille là, c'est pas mal. Alors, juste que ce soit pas symétrique, je sais pas où je l'ai mis l'autre, attendez. On va vérifier pour éviter de faire des conneries. Parce que si c'est symétrique, c'est mort. Ok, c'est ici. Ok. Hop, donc c'est ici, donc on va le mettre là. Voilà, puis on va recasser une barrière ici. Tant qu'on y est. Ok. On s'occupera de saccager tout ça après, plus tard, il n'y a pas de souci, on a tout notre temps, les amis. Ok, l'intérieur, on s'occupe pas encore. Hein. Je veux faire l'extérieur d'abord, tranquillement. Du coup, maintenant, ça c'est fait. On va s'occuper de la mossy cobblestone. Ah, le bois, comment on pourrait le rendre dégueulasse? Eh, par contre, le jingle, ouais. Pour le moment, ça fait pas encore peur, mais... Bon, on va casser des blocs aléatoirement pour commencer. Ça, on remplacera par la mossy cobblestone. Là, par contre, on peut en abuser, hein, parce qu'on en a pas mal. Ah, j'ai plus de pioche. Ok, c'est bon. Là, on peut en abuser comme on... Ah ! Pardon. Alors ça, je ne comprends pas pourquoi ces blocs se sont transformés en cobblestone piégé. Ça, c'est... Bon, au moins, ça casse les blocs tout seul. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Même dans ma maison, là, j'ai des blocs qui sont infestés de... Voilà, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est avec le temps, mais c'est chiant. Ok, du coup, hop, on va remplacer. Là, pour le moment, on casse pour remplacer, puis après, on cassera sans remplacer. Pour faire un aspect cassé, quoi. Ça ne veut rien dire, ce que je dis. Là aussi, hop. On s'occupera de la partie plus haute après. Là, on fait le premier étage, déjà, parce que je peux pas accéder. Mais là, le bois, je sais pas comment on le rend vieux. Enfin, en mettant des feuilles dessus, ouais, c'est ce qu'on fera. On va faire ça après. Mais, ouais... Bon, là, on remplace déjà la cobble. Hop. En plus, on fait l'intérieur, ça, c'est pas mal. Et par contre, j'en ai marre de tomber dans cette source d'eau, là. Ah, bah, c'est fait, c'est bon. Maintenant, faut s'occuper de l'étage au-dessus. Bah, du coup, vous savez quoi? On va rentrer par l'intérieur et on va casser les vitres pour pouvoir aller à l'extérieur. Comme ça, au moins, ce sera en plus cassé. Tu vois ce que je veux dire? On fait tout en même temps. Attends. Eh, je veux pas passer par l'entrée. Voilà. Tu vois? Là, tu vois déjà le délire. Tu vois déjà le délire que je veux apporter à la maison, tu vois. Ok. Et par endroit, je mettrai des barrières, tu vois. Là. Ah bah là, il y a un bloc cassé. Faut reboucher. C'était pas prévu. Là non plus. Comment ça se fait que c'est cassé? Ah, c'est les... Ça cause des petites bêtes, là. Voilà. Bon, là, on va casser tout entièrement. Là, on fait que le haut. Ok. Et donc là, on va monter. On va casser ici, parce qu'il faut que j'accède dehors, évidemment. Et donc là, on casse, on remplace. Vous m'avez compris. Alors, pour accéder sur les côtés, ça va être une autre histoire. Et on va faire du parcours, les mecs. Hein. On va faire du parcours. On enlèvera, évidemment. Hop, on abuse. Ok. Bon, là, c'est un peu chiant, là. On fait du parcours, les mecs. Hein. Ma aventure, c'est du parcours aussi. Et ouais, on croirait pas, mais regardez, je me fais des petits challenges là. Ok, on va casser ici, on va casser ici, on va casser par là. Tac, tac, tac.
C'est un petit épisode décoration, mais version moche, hein, évidemment. Vous l'avez compris. Ah, j'étais pas obligé de mettre un bloc. Hop. Oh, petit challenge, hein. Beaucoup trop simple, professionnel en parcours depuis les années bissextiles. Eh. C'est bon, j'ai réussi à poser le bloc. Ok. Ça, c'est good. On va faire encore l'autre façade. Là, on va faire les deux blocs, écoute, tant qu'on y est. La tête d'Ender Dragon, je sais pas où elle est, mais si on la retrouve, j'aimerais faire un truc avec. Voilà, pour la maison hantée. Donc on verra quoi. Hop. On mettra d'autres feuilles, hein. Là ça suffit pas, là il est fake. Puis voilà encore ici. Il y en est plutôt pas mal. Là, je fais comment pour rentrer? Eh bien c'est très simple, on va casser la vitre. Nickel. Ça c'est fait, c'est un jeu d'enfant. Alors ce côté là aussi je l'ai pas, bah là il n'y a pas de cobble de toute façon de ce côté. C'est bon, après c'est des petits détails, hein, donc. Ok, bon maintenant on va recasser juste les blocs que j'ai posés. Parce que bon bah, je veux faire moche mais je veux pas qu'il y ait ça non plus quoi. Parce que l'idée c'est que ce soit cassé, d'ailleurs on va casser maintenant des blocs random. Voilà, là les vitres on les casse, évidemment. Ok, on fera les barrières de l'intérieur, il n'y a pas de souci. On casse, eh ça va pas, on casse ce bloc. Ah non, on casse pas ce bloc, je suis bête. J'ai mis exprès de la moussie. Bon. Alors là, hop, on casse. On va casser ce bloc là. On casse ça. Voilà, j'aime pas. Voilà, ça on peut laisser comme ça. On casse là. Hop. Ah merde, attends, j'ai oublié de casser ici. C'est mes échafaudages du turfu. Échafaudage 2.0, t'as vu. Ok, hop. On va casser là. C'est un peu dangereux, hein. Le pilier il tient pas, alors on va casser là. Comme ça, ça fait genre ça, c'est suspendu, tu vois. Faut faire un peu cet effet, tu vois, que les réalise dans le sens que les piliers c'est censé tenir, mais que ça c'est suspendu, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je m'exprime très mal, hein. Clairement. On peut pas moins bien s'exprimer. Là, on casse aussi. Tac. Ouais, je sais, on pourrait faire péter la TNT, mais après, je suis plus maître de mes décisions, donc on va éviter quand même. Hein. Ok. Eh, hey, c'est l'ancienne taverne de BX Snow, c'est rigolo ça. C'est vrai qu'on n'était jamais derrière la fenêtre comme ça, donc ça fait marrant. Ok. Ça me plaît pas, on casse. Hein. Là, c'est beaucoup trop propre. Ah, c'est beaucoup trop propre. Hop. Ah non, là par contre c'est pas réaliste, tu vois. Faut que ce soit réaliste. Voilà. Enfin, faut que ce soit réaliste, je me suis compris, on est quand même sur Minecraft, les mecs. Ok, déjà là on se sent pas bien. Ah, la tête d'un dragon, elle est là chez Dragon Alpha, c'est ça? Ouais. Ok, déjà là on se sent un petit peu moins bien, hein. Déjà si je puis me permettre. L'intérieur on va un petit peu l'effondrer, hein. D'ailleurs on va enlever une porte, c'est quoi? On en laisse une mais on enlève l'autre. Ça peut être pas mal. Ok. Les lianes pour le moment. Est-ce que ça a poussé? Non, ça pousse pas. Mais en fait, je me suis fait un film. À mon avis, ça tombe pas. Ah, si, là, ça descend. Ça prend son temps, mais ça descend. Ouais, peut-être que ça va descendre. Bon. Ouais, j'aimerais mettre du feuillage et tout un petit peu partout encore là. Mais d'abord, on va dormir. Je vais prendre ce qu'il me faut, à savoir. Ah, j'ai pas beaucoup de feuilles. Hein. Ah, j'ai pas de feuilles. Ah, je m'attendais vraiment à ce que j'ai beaucoup de feuilles, mais pas du tout. Bon, on va dormir. Eh, on se sent pas très bien, regardez, c'est ouvert, c'est génial, on se sent pas très bien. C'est nickel. Évidemment, faut casser ça. Bon, désolé, du coup, je casse les panneaux, sauf celui-là. Attends, je vais prendre ma hache sur moi, parce que casser du bois à la main, ça va très vite me saouler. Maintenant, on va casser un petit peu les piliers, tu vois. Genre le bois et tout. Attends, de l'extérieur d'abord. Oh, regardez, en gros, le délire, regardez, c'est que là... Voilà, tu vois un peu le délire? C'est suspendu. Merde. C'est suspendu. C'est suspendu, c'est pas très... Là, si je casse là, maintenant, comme ça... Oh, les lumières éteintes, c'est cool, j'aime bien. Mais là, j'aime pas, en fait, ce qui comment ça rend. Eh ben, alors, ce qu'on fait, regardez, c'est qu'on va mettre des barrières. Voilà. Je vais récupérer ces blocs. Non, tu veux pas? Voilà. On va mettre voilà, quelques petits crochets. Non, là, ça rend pas bien. Par contre, si je casse ça, là je vais mettre un crochet. Tu vois. Enfin, j'appelle ça des crochets, mais c'est des barrières, hein, totalement. Là,
On va pas tout casser non plus, on fait qu'un seul bloc parce que si c'est partout pareil, c'est de la merde. Là, on va laisser ce côté genre comme il est. Par contre, ici, on va péter genre là. Genre bien haut, quoi. Voilà. Ok. Eh, j'en ai marre de tomber dans l'eau. Ah, attendez, aussi là, attends, eh, ça va être trop stylé. C'est qu'on va péter un peu. Voilà, comme ça, c'est un peu basique, mais... Non, là, ce serait pas réaliste, sinon ça s'effondrerait. Par contre, ici... on va laisser ça. Voilà. En fait, j'aurais bien tenté, mais j'aurais la flemme de faire un truc réaliste qui s'effondre. Donc on va laisser quand même. On va laisser en état. Enfin, je veux dire, on va le laisser suspendu, mais on va le rendre un peu dégueulasse quand même, quoi. On va mettre des feuilles par en dessous et... Enfin, ouais, mais non, j'ai pas de feuilles sur moi, quoi. Si, j'ai 13 feuilles, mais c'est pas ouf. C'est pas oufissime. Bon. Tu vois, j'ai vraiment envie d'abuser avec les feuilles. En mettre partout à l'intérieur aussi. Enfin, partout. Voilà. Hein. Le problème, c'est que voilà, j'en ai déjà plus, quoi. J'en ai déjà plus. Je sais pas où c'est qu'on pourrait... où c'est qu'on pourrait trouver des feuilles. Parce que vraiment, j'ai pris mes réserves à ce niveau-là. Les lianes. Attendez, les lianes. On va pas y mettre les deux que j'ai à l'intérieur. On va les mettre comme ça. À l'extérieur. Et genre, une façade ici, là. Voilà. Mais après, j'aimerais en abuser et en mettre tout plein, tu vois. Bon, là, on fait déjà un petit peu la base, hein, genre la base du truc. En fait, déjà, tout ce qui est torche, j'aimerais les changer et les transformer en torches de redstone, déjà, tu vois. Ça, c'est déjà le truc de base que j'ai envie de faire, tu vois. Donc déjà, on va tout enlever, c'est quoi? Les lumières, par contre, elles sont éteintes. On va enlever les leviers, finalement. Comme ça, il n'y a pas d'histoire de tu peux allumer ou quoi. Il n'y a pas d'électricité là, c'est mort. Par contre, on laisse les lampes. Mais, il n'y a pas de lumière. Là, le coffre qu'il a découvert, c'est génial. Oh, il y a l'œuf de dragon. Hein. Pas de bêtises tout de même. Hein. Pas de bêtises tout de même. On enlève toutes les torches, je veux plus rien voir. Là, la lumière là. Comment? Ah oui, il y a des lumières, on fait comment pour les éteindre? Ça se passe en dessous? Ouais. Voilà, on éteint tout. Non, mais en fait, il faut les casser, il faut pas les éteindre. Ok, les torches aussi. On a notre perroquet, plume. Le pauvre, il va avoir peur. C'est quoi la lumière là? C'est les bonhommes de... Ah, il y a une torche ici. Ici aussi. Et... C'est les bonhommes de neige qui font cette lumière? Ok. Pas mal. Là, il y a encore une lumière, on l'enlève. Et là, il fait noir. Il fait noir, mais ici... Voilà, ici, alors ce qu'on va faire, c'est que hop, on va casser... Hop! Eh, tout de suite, ça fait un peu plus flipper, hein? Alors, on disait que ça ferait pas peur, qu'est-ce qu'il y a? Avec les shaders, j'aime pas trop. Ici aussi, il faudrait reboucher. C'est quoi, on se mettra une trappe ici? Attendez, j'ai du bois sur moi, on va crafter une trappe. À moins que j'en ai déjà une, hein, c'est possible aussi. J'ai des échelles. Ah, j'ai peut-être des feuilles aussi, là, dans les coffres, non? Pas du tout. Ouais, est-ce que j'ai pas des trappes? Non, j'ai pas de trappe, on va se les faire. Tac, normalement c'est comme ça. Impec. Voilà, on va se faire des trappes histoire qu'on puisse y accéder éventuellement s'il y en a qui veulent utiliser. On va se mettre une torche là. Tu vois qui éclaire vraiment pas mais bon. Et on va mettre une trappe. Genre. J'ai plus envie que ce soit un escalier. Enfin si mais alors on va le casser tu vois. Voilà. Comme ça c'est bien chiant. Oh c'est carrément relou. Ah non mais c'est carrément relou. Mais tu sais quoi autant tout refermer. Voilà. Si j'enlève la torche on voit rien. Bon. Là, il y a encore de la lumière. Alors, ce qu'on va faire, par contre, c'est que... Ah, bah, parce que c'est ici. Ici, on laisse. Ici, on laisse. On touche à rien, là, tu vois. De toute façon, il fait super sombre. On va mettre une torche de redstone ici. Là, le tunnel, on va le laisser. Il n'y a pas de souci, tu vois. Genre, c'est... Ça n'a pas vraiment de rapport avec la maison hantée, mais... Ici, ça fait bien peur. On va mettre une torche de redstone. On va se foutre. Là, on n'a pas besoin de torche. Ah, mais il y a plein de torches ici. J'avais pas capté. Donc là, toutes les lumières sont éteintes, c'est pas mal. La nuit, par contre, ça doit faire peur. Et quand il y aura plein d'arbres autour aussi, on va mettre plein d'arbres. Ça va faire super sombre d'un coup. Donc pour le moment, on sait pas encore. C'est pas encore représentatif de à quoi ça va ressembler, quoi. Là, on laisse tout, c'est bon. La tête de dragon, elle est là. Il n'y a pas de torche. Ah, si, là, il y en a une. Ah, putain, les torches, elles sont bien cachées. Hein. Je les ai bien mises. Là, par contre, tout ça, toutes les torches qu'il y a là, on va les remplacer par les torches de redstone. Genre direct. Voilà.
Une torche ici, ça... c'est pas trop l'ambiance, quoi, hein. Ça fait un peu peur. Ça me donne presque envie de mettre un cimetière pas loin, quoi. Voilà. Bon, il fait jour, ça va, mais ça fait peur. Bon, ça, on va enlever, frère. Tout de fou, c'était mignon, mais... Voilà. Bon, moi, j'ai un coffre, en plus, c'est cool. On va un peu casser, là. Tac. Tac. Ici aussi. Voilà, là, on va casser, là, tu vois. Voilà, comme ça, pour le plaisir. Là, faut pas qu'on se sente en sécurité. Là, sous ce préau, on se sent vachement en sécurité. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, voilà. Ah, là, on casse ici. Voilà, faut qu'on se sente un petit peu moins en sécurité, hein. Là, pareil, sur le devant, c'est terrible. Est-ce que j'ai récupéré? Ah, yes. On peut faire un petit effet, genre... un petit effet que ça tient pas trop, quoi, tu vois. J'aime bien. Non, là, j'ai... Là j'ai fait du caca, hein, excusez-moi. C'est pas très grave. Hop. Ok, si on met une barrière là. Ah tiens, genre une barrière comme ça, ça fait genre c'est pour que ça tienne bien. Bon, ça fait un peu barre de pole dance, hein. Bon, dans le doute. Non, on va l'enlever dans le doute, j'ai pas envie de. Ok, là on se sent déjà un petit peu moins bien. Faudrait casser ici aussi. Comme ça, ça permet d'y accéder via l'arbre, en plus c'est pas mal. Ok, ah là déjà c'est, tu vois, c'est déjà mieux là. On va monter tout en haut aussi pour casser le toit, pour casser des trucs et tout, ça c'est vraiment les détails très importants. Les escaliers aussi, faut les casser, etc. D'ailleurs, bah, on va faire ça de ce pas. Ah, par contre, les silverfish, sérieux, c'est chiant. Ah ouais, bon bah là au moins, ça fait des trous automatiquement. Ah, plume, tu restes là. Attendez, mais il y en a qui sont en liberté. Ouais, y a des silverfish là. Eh, ça fait encore plus peur. Eh, c'est pas rassurant. Dragon Alpha, tu restes assis, hein. Ah ouais, mais non, mais je veux pas que ce soit non plus pété comme ça. Ah, là, c'est... Ah ouais, j'aime bien. Bon, bref, à la base, je voulais juste monter. Tout en... Ah, je me disais bien qu'il y avait un silverfish qui me suivait. Mais là, c'est pas encore assez bien, là. Ah, là, on fait des trous. Mais il faut faire des trous par, par terre. J'ai plus de hache. Oh, c'est chiant. Je dois faire plein d'allers-retours. En fait, j'ai tellement d'idées qui me passent par la tête. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. Il suffit juste de péter tout, mais... bah, attendez, j'ai de la cobble et du bois sur moi. Donc, autant... Voilà. Bonsoir. Bon, évidemment, si tu tombes, t'es un peu con, mais... Faut faire attention, quoi. J'aimerais bien mettre de la mousse aussi en dessous, etc. Enfin, de la mousse. Enfin, de la... Eh hey. Pas mal ça. De la... Comment ça s'appelle, bordel? Des feuilles, merci. Non, là c'est pas cool. Ça fait genre, il y a une météorite qui s'est abattue. C'est un peu chelou. Ok. Le soleil va commencer à se coucher, j'aime pas trop l'idée. Là pareil, je veux casser certains trucs. Voilà. T'as, j'adore la porte ici. Salut, ça va? Des questions? On va monter et on va casser. Ah oui, il y avait le grenier de BXNO là-haut, c'est vrai. Pareil, là, on casse un peu, là. Ça, c'est vrai, j'ai pas cassé ici. Ça, on laisse. Voilà, ça, on laisse comme ça. Impeccable. Ah, c'est cool. Pareil, là, ici. Mossy cobblestone. Tac. Bam. On va monter encore, on va monter encore. D'abord, on va dormir. On enlève les torches, on enlève les torches tant qu'on y est comme ça. Comme le soleil se couche, ça permet de voir où c'est qu'il y a de la lumière. Voilà, dégager. Ok, là aussi il y a des torches, ça dégage. Le problème, c'est que les mobs ils vont spawn. Ça, c'est aussi un autre problème. Là, il n'y a plus de torches du tout là. Hein. Enfin, s'il y a des torches de redstone, mais il n'y a plus de torches. Ah oui, là il fait noir là. Là, il fait bien noir, il y a juste là, hop, une torche ici. Il y a le soleil qui, ouais, c'est stylé. Petite vue sur la maison de BXNO. Bon, allez, on va dormir maintenant. On va dormir. Hey, je suis content, les amis. Une demi-heure d'épisode, on en est déjà là, je suis assez content. Là, il y a des torches, à mon avis, on va les enlever. Et c'est bien, on pourra faire des mythes et tout, des histoires avec la maison hantée, genre inventer des scénarios et tout, faire des courts-métrages à la limite. Petite torche de redstone.
Là, on va péter ça. Voilà. Une petite torche de redstone. Une petite torche de redstone. Là, c'est pas assez cassé. Ok. Impec. Donc, on va monter. Là, tout ça, on casse. Tout ce que Big Snow avait pris du plaisir à faire dans le grenier, ça n'existe plus. On pète tout. Bon, là, c'est vrai qu'on pourrait utiliser la TNT, remarque. Hein. On pourra utiliser la TNT. Mais bon, on va quand même faire attention. Pas trop de bêtises. La vitre, on va la laisser, celle-là. Là, c'est les devantures aussi qu'il faut casser. C'est pas mal. Voilà. Les devantures. Ma devanture, excellent, ma devanture. Est-ce que vous avez rigolé? Oui, c'était drôle. Tac. Bem, bem. C'est vraiment aléatoire et voilà, mais c'est normal, c'est le but. Par contre, les torches, ça me plaît pas. Ça dégage. Ah oui, elle a vraiment déménagé. C'est vrai que j'avais jamais remarqué, mais elle est partie. BX Snow est partie, c'est triste, elle m'a abandonné. Elle m'a abandonné dans la maison hantée. Elle a eu peur. C'est pour ça, hein, sinon elle serait restée dans mon grenier. Hein. Putain, on a tout de suite une autre vue de ma devant. Vous avez vu ce qu'il est en train de faire, Créo? Par contre, regardez ça, je sais pas ce qu'il est en train de faire, c'est stylé. Il est en train de faire un grand tronc d'arbre, là, je sais pas quoi. Enfin, bref. Ok, ben on va laisser comme ça. On va mettre des petites barrières un petit peu par-ci, par-là. Genre n'importe comment. Histoire de dire que... Voilà. Ah non, mais pas suspendu dans le vide non plus. Ça, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est suspendu dans le vide, j'avais pas fait attention. Voilà. Du coup, j'ai envie de mettre. Ah, mais c'est suspendu dans le vide tout le temps. Bon, tant pis. Mais comme dit, là, j'aimerais mettre du feuillage, mais j'en ai plus sur moi, quoi. Mais faudra mettre des feuilles de partout. Hein. On mettra des feuilles partout. Ah, on va mettre des toiles d'araignée aussi un peu partout à l'intérieur, à l'extérieur. Ça va être stylé. Ouais, non, alors. C'est pas comme ça que je voulais la chose. On casse tout. On casse tout. Voilà. Tout ne fou. En fait, les chiens là, je sais pas si on les laisse en vie ou pas. Parce que c'est en fait, pour le côté effrayant, bah, ça fait pas hanter quoi de laisser les chiens. Donc limite, j'ai envie de les... Non, on va pas les tuer, mais on les libérera. Ok. Bon, déjà, c'est cool, c'est plus pareil qu'avant. Ah, faut enlever les portes aussi là. Enfin, certaines portes en tout cas. Pour faire un délire. Je dirais même, attendez, elles sont où les portes? Wesh, je les ai pas récupérées. T'es sérieux, j'ai pas récupéré les portes? Mais attendez, les portes ne se récupèrent plus? Ah si, mais elles sont où? Ah, mais je les avais pas vues. Et genre, en fait, on va regarder les mettre comme ça. C'est pas mal, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Mais vous voyez, certaines les laisser et puis les mettre genre... Voilà, comme si... Enfin, tu vois, c'est quand même pas normal. C'est juste pour ajouter un petit aspect. Ouais, par contre, l'échelle, les mecs... Évidemment, l'échelle, ça va pas. Ça là, on enlève. Ça là aussi. Frérot, j'aimerais l'enlever. Alors, on peut toujours monter, bien évidemment, mais voilà. Impeccable. C'est un peu chiant, par contre. Il n'y a plus de torche. Hein. Il n'y a plus de lumière du tout à l'intérieur. Par contre, ça, c'est pas mal. Cette porte-là, on peut la laisser. Ben on est good, les panneaux faudra, on les cassera, ouais, on enlèvera tout ça, les panneaux. Ok, bon maintenant on va s'occuper. Ah la mossy, attendez, juste aussi les escaliers, là on va un peu les... On va laisser la cobble, on va casser quelques escaliers. Voilà, à partir de là ça devient chaotique. Voilà, les torches aussi, on va toutes les enlever, c'est pas compliqué. On va toutes les enlever. Ah ça c'est chiant à faire, et franchement, et cette partie je la fais en off. Hein. Genre les escaliers, tout ce qui est entrée, je les ferai en off, parce qu'enlever toutes les torches, remplacer par de la mosti, c'est chiant. Hein. C'est encore plus chiant que ce qu'on a fait, donc je ferai ça en off les frères. On va ranger tout ça. Je ferai tout ça en off les amis. Maintenant, on va s'occuper des toiles d'araignée, des tableaux, et de tout ça. Toile d'araignée, hein. Pas de soucis. On y va. Surtout dans les coins. Ouais, alors abuse pas trop, frère. Hein. Ah, BX Snow a joined the game. Je vous l'avais dit. Hein. On va se mettre un tableau ici.
Oh bah là c'est impeccable hein. Là c'était pas prévu par contre de l'extérieur. Ah elle m'a fait peur BX Snow. L'extérieur ça se voit pas, c'est impeccable. J'aime bien l'idée. C'était pas fait exprès mais j'aime bien. Alors surtout ici c'est cool. Ah ouais des araignées, elle a peur de ça en plus BX Snow. On pourrait faire des passages secrets aussi hein. Sincèrement j'ai l'idée qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Oh les frères, oh les amis, on va se faire un... on va se faire un passage secret ici que personne va être au courant. On va juste prendre des torches pour que vous voyez. Oh putain, on va faire un truc de ouf, de fou. Je prends ça, j'ai une porte sur moi. Regardez, ici là derrière ces deux bibliothèques, on va mettre un passage secret. BX Snow elle vient pas là, elle est pas là, c'est bon. On va casser. Faut pas qu'elle voit. Hein. On met une porte, on l'ouvre. Et il me faut un tableau. Non, un tableau. Tu vois. Ah ou alors un grand truc. Ça marche pas. J'aimerais un grand tableau. Bon on va se contenter de ça au pire. Non mais alors il me faut un truc de deux. Mais ça marche pas. Bon tant pis. On va faire ça comme ça, c'est pas très grave. Oh elle est là. Salut. Faut juste pas qu'elle voit hein. On lui montre pas les amis, on lui montre pas, faut juste pas qu'elle voit et on fera un passage secret, je sais pas encore quoi. Des petits tableaux par-ci par-là aussi, genre attendez. Ouais ça, non mais ça fait pas peur mais disons que... Oh là un ange comme ça tu vois, un ange genre... Et on va casser ça. Faut casser les pancartes aussi, on va faire ça tranquille. Voilà le petit bonhomme qui marche, j'aimerais une petite fille là. Voilà la petite fille. Et un petit panneau dans dessin dans le grenier. Bon, ça fait pas peur ça. C'est trop con. Ah quoique ça peut être rigolo. Genre un petit truc paisible comme ça. Genre vraiment c'est le dernier truc paisible qui reste. Voilà. Toile d'araignée. Voilà. Ah par contre là, ça dérange un peu. Voilà. Ah mais il y a des torches encore qui restent. Bon. Normalement il n'y en a plus. Bonsoir. Voilà, on peut en mettre, voilà. Faudra en mettre aussi sous le... comment ça s'appelle le... Là. Non, c'est pas là, je sais pas où c'est. Comment ça s'appelle? Le... Je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus parler. Ici, là. Ça s'appelle comment? Je ne sais plus. Mais bref, mettre des toiles d'araignée en dessous. C'est une bonne idée, je pense. On va le faire. Je ne sais pas comment appeler ça, les amis, je suis une merde. Bon la tête d'Ender Dragon pour le moment on en fera rien, je verrai en off si j'ai des idées ou pas. Eh mine de rien les toiles d'araignée ça part vite. Hein. Hop, le balcon ça s'appelle, merci. Je crois qu'elle a voulu me faire peur, mais ça a pas vraiment réussi. Bah voilà, fais-toi attaquer par les chiens toi. T'as vu elle a essayé de m'attaquer, là j'y crois pas. On va parler des toiles d'araignée. Il m'en refaut en rab. J'en ai encore 44, ça va. Ok. Tac, voilà. Donc il y aura le passage secret derrière, regardez, vous voyez. Hop, on rentre dedans et on ira quelque part. Juste pas qu'elle voit. De toute façon, elle verra en regardant l'épisode, mais je veux dire là maintenant, pas qu'elle voit, tu vois. Genre que ça se fait la petite surprise. Là, on a mis une petite toile d'araignée. Et on est plutôt pas mal en termes de toile d'araignée. On va enlever les torches, bien évidemment. Par contre, et avec le shader, ici, ça fait peur. Franchement ça fait peur. J'aimerais. On va aussi hanter à l'intérieur du Nether, genre les lumières, genre la lave, tout ça. On va péter hein. Mais ça on verra ultérieurement, je verrai ça en off ou quoi, je vous montrerai, y'a pas de soucis. On va pas tout faire en vidéo non plus comme dit. C'est pour ça les amis hein, que je vais arrêter un petit peu la série. C'est pour pas tout faire en vidéo, ça me saoule. Hop. Ok. Du coup l'étoile d'araignée sous le pont. Comme j'ai pas de feuilles malheureusement. Ok c'est cool, par contre j'aimerais remonter. Voilà. Allô. J'arrive pas à accéder là-haut. C'est un peu chiant. C'est bon j'ai réussi. Voilà ça fait le taf. Ça fait le taf. Et maintenant si on regarde comme ça déjà. Il n'y a pas de différence tu sais. Si on regarde comme ça. Pour le moment il n'y a pas trop de différence. C'est juste que ça fait casser et abandonner tu vois. Mais c'est vrai que ça... Bah c'est presque comme avant tu vois.
La différence maintenant, c'est qu'à l'intérieur, l'ambiance, on va la rendre plus flippante. On mettra des citrouilles d'Halloween aussi, c'est vrai, j'avais pas pensé, j'en ai pas chez moi, je crois. Et on va mettre surtout, on va planter des arbres autour, partout, on va mettre des feuilles partout, tu vois. C'est pas terminé, les amis, c'est pas terminé. On va juste aller dormir. Par contre, du coup, il y avait Xno, donc j'espère qu'elle va aller dormir. On va lui demander gentiment. On peut dormir, s'il vous plaît. Ce serait plutôt sympathique de vous. Merci. C'est très gentil. Ok. Du coup, je voulais faire un truc encore. Ah, mes cisailles, elles sont là. Mes cisailles, elles sont là. Ok, j'ai cru que c'était BXNO qui me faisait une blague, mais pas du tout. Ouais, on va planter, les amis. J'ai de la bonne mine, normalement, j'ai de la bonne mine. On va planter plein d'arbres autour, on va voir comment ça va se passer. En plus, ça nous fera des feuilles, au pire. Donc, la bonne mine, elle est où? Elle est là. Totalement. Impeccable, on va y aller. Et puis, on va voir comment ça va se passer. Tout simplement. Non, c'est vrai que là, ça fait quand même casser, hein. Ça fait... L'idée, c'est que ça fasse la colline des mystères, un petit peu la colline secrète. Ici, je rappelle qu'il y a la liste des objectifs et des acolytes. Pour le moment, il n'y a pas d'objectifs, je les ai pas encore mis, du coup. Refaire un live avec Toonfou, je crois qu'on l'avait vu ensemble. Là, c'est la liste des abonnés qui ont participé, donc là, notamment Nervi. Ici, les acolytes d'Argon Alpha, Zedion, Toonfou. Ça me fait un peu chier, par contre, je vais pas vous mentir, je vais être transparent avec vous. C'est vrai que ça me fait chier, du coup, que, ben voilà, quoi, comme j'arrête la série, bah... Et je suis désolé, sincèrement. Alors, heureusement, comme j'ai déjà expliqué, je vais pas me justifier 30 000 fois, mais comme j'ai pas fait une grande sélection et tout, il y en a voilà, quelques-uns qui sont déçus parce que je leur ai dit qu'ils étaient validés, mais ceux à qui j'ai rien dit, bon, bah, il n'y a pas de raison d'être déçu, tu vois, parce que ça veut pas dire que vous étiez pris, tu vois. Mais, donc voilà, bon, bah, ma foi. Après, comme dit, ceux qui ont été. J'essaierai de faire des vidéos avec des abonnés une fois sur des serveurs. J'aimerais tellement qu'EpiCube ça ouvre bientôt, là. Parce que là, je peux vous dire que ça va changer la vie, hein. Pour EpiCube, ça va ressortir. Oh. Oh, les frères, vous avez plus rien à comprendre à ma chaîne YouTube, vous allez faire putain, MKO est de retour. MKO est de retour. Bon. Ouais, il me faut des pouces. Alors, je sais pas, les dark, les normales, les spruces. Si, si, les spruces. On va en mettre quelques-unes pour voir comment ça se passe. Là aussi, il faudra péter, mais je ferai ça en off. Pourquoi il y a un bug, regardez. Vous avez vu en bas à gauche? On voit le vide. Bon, bref. Allez, on va se foutre là. Un petit sapin, on va voir comment ça fait. De toute façon, il n'y a pas à avoir peur, il faut qu'on bombarde. Hein. Ah. J'ai quand même l'impression que ça marche pas. Je me suis fait enculer. Je suis en train de me faire enculer, les mecs. Ah, j'ai réussi. Voilà, là, faut bombarder, tu vois. Faut pas avoir peur. Ok, ça marche pas. Heureusement, j'ai plein de bonnes munitions, moi. Non, ça marche pas. Oh, déjà, c'est cool, j'aime bien. Déjà, j'aime bien. On va laisser les feuilles, quand même. Enfin, l'herbe. Là, mais mec, c'est compliqué de faire pousser un putain d'arbre. Mais c'est incroyable. Ça veut pas pousser. Bon, ça poussera un jour, je pense. Là, on va se mettre un petit arbre aussi. Non, mais là, il y a un bug, hein. Je suis en train de laguer ou je sais pas ce qui se passe, mais... pas possible. Bon, les lianes, ça pousse lentement mais sûrement. Et ça marche là, ce que je suis en train de faire, c'est en train de tomber. Comme dit, lentement mais sûrement, mais ça tombe. Ça, c'est cool. Toile d'araignée. Bon, ça devrait pousser là aussi. Je vais mettre un petit arbre de sapin. On va pas trop abuser pour le moment parce que comme je sais pas encore comme ça pousse, on va s'en mettre un là. Est-ce que ça pourrait marcher? Ah, j'ai reçu une notification, c'est un peu chiant là. Ok, bon, on va essayer avec des armes normaux maintenant. Ah, je les ai pas sur moi, évidemment. Bah non, mais j'ai plus de bonnes. Ah si, j'en ai encore 42. Allô. C'est terrible. J'ai du mal. Ok, j'aime bien, je suis content en vrai. Faut casser cette porte. On va casser cette porte, il n'y en a pas besoin. Par contre, on va la mettre à côté. On va la mettre ici. Ah mais non. C'est quand même mon con là. J'aimerais qu'elle soit pas comme ça. J'aimerais... Voilà. Bim. Impeccable. Tu vois, là, c'est cool. Ouais, du coup, c'est quoi que je voulais? Des arbres normaux. On va pas prendre ça. On va aller prendre des arbres normaux. On verra si on en prendra ou pas. De toute façon, il faudra abuser autour de la maison. Mais déjà, là, pour avoir une petite idée, un petit aperçu, avoir plein de feuilles autour, là, ça devrait marcher. Ouais. Le chêne, il est pas chiant à pousser. Ça, c'est cool. Et déjà, c'est galère. Tu vois, l'idée, c'est qu'on la voit pas trop, que ce soit mystérieux. Ah oui, devant les escaliers.
Ça fait vraiment, vous voyez, comment ça s'appelle là? La ville abandonnée là, parce qu'il y a eu, pas Hiroshima, pas Fukushima, moi je suis en train de parler de Tchernobyl. Ça fait genre Tchernobyl. Genre la nature elle prend le dessus et tout. Tu vois. On va laisser la pousse ici, hein, sait-on jamais si elle voulait repousser un jour. Ok, il me reste 6 bonnes milles. C'est qu'on va foutre ça. Pas ici. Bon, ça poussera je pense. Vous voyez un peu le délire. Alors maintenant si on regarde. Ah bah tu vois déjà là. Alors de ce côté, mais je crois que c'était déjà comme ça. Ah, il n'y a pas encore assez d'armes. Mais déjà, on sent que la on sait que de ce côté-là, on voit que la nature a pris le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? La nature a clairement pris le dessus. Bon, là, si on fait le tour de la maison, on va un petit peu guetter. On va s'en arrêter là pour cet épisode, les amis. Si on regarde par ici, voilà. Là, on voit que la nature également a pris le dessus. Mais c'est pas encore assez parce que vous voyez le sapin qu'il y a là-bas, par exemple, autour de l'avant-poste. C'est ce que je compte mettre. Ça rend tellement bien. Ça fait tellement abandonné. Donc, quand il y en aura devant, ça va être stylé. Avec les lianes et tout, ça rend bien. Enfin, ça va être stylé dans le sens abandonné, tu vois. C'est exactement l'impression que j'ai envie que ça donne. Ici, vu de là, on sent que c'est un peu le bordel, tu vois, ça c'est pas mal, c'est cool. Après, vous pouvez me proposer des idées en commentaire. Hein. Et là, de ce côté, ça manque encore d'arbres, mais quand il y aura des arbres... Alors par contre, il y a le soleil qui nous emmerde. Attends, on va se mettre comme ça. Ouais, faut du sapin, quoi. C'est le sapin qui rend le chêne, il est paisible. Ça fait nature, tu vois, c'est pas mal que ça prenne le dessus. Mais le sapin, il fait quand même, tu vois, il fait dark. Le sapin, il fait vraiment maison de sorcière, quoi, tu vois. Donc on va privilégier un petit peu le sapin quand même pas mal. Même beaucoup, on va privilégier beaucoup le sapin, les amis. J'espère que ça va fonctionner. Par exemple, là, on va essayer de mettre un sapin. Là, on va mettre un sapin. Là, on va se mettre un sapin aussi. Limite dans le doute que ça fonctionne pas, on va le mettre là. Voilà. Impec. Puis après, vous pouvez me proposer des idées en commentaire, bien évidemment. Pour les derniers épisodes, alors on va pas se focus là-dessus, je vais faire ça en off, parce que voilà, j'ai envie qu'on profite de la fin de la série pour faire des trucs géniaux. Donc ce qu'on va faire d'ailleurs, dans les prochains épisodes, c'est l'épisode 96 qu'on est en train de tourner actuellement et qui va se terminer d'ici peu. Donc il reste l'épisode 97, 98 et 99. Sachant que l'épisode 100, j'ai envie de faire un gros truc, évidemment. Et pourquoi pas faire le Wither Boss, c'est un projet que j'aimerais faire. Donc on va chercher des têtes de Wither dans les prochains épisodes, sachant qu'il faut aussi faire l'aquarium avec le dauphin. Les poissons, c'est pas compliqué, il suffit de prendre des seaux de poissons, on le fera en vidéo. Mais on va chercher un dauphin. Donc il y aura un épisode qui sera consacré au dauphin, dans l'aquarium. Il y aura un épisode qui sera consacré à la tête de Wither. Et il restera plus qu'un épisode avant le tout dernier, tu vois. Donc à voir ce qu'on fera. À voir ce qu'on fera. Mais du coup, voilà, comme ça, vous avez le programme des derniers épisodes. Des derniers épisodes officiels, hein, puisque je rappelle encore une fois que la série s'est terminée sur mon point de vue, mais qu'à tout moment je peux refaire des vidéos dessus si j'en ai l'envie. Voilà, donc là il y a déjà une pousse de sapin. Et autant mettre là aussi, tu vois, c'est la colline, toute la colline qui est hantée. Hein. Voilà, voilà, bah les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Pas mal, pas mal, c'est cool. Je verrai en off pour voilà, accentuer la chose. On verra ultérieurement, et puis je verrai même. Plus tard, hein, au-delà de l'épisode 100, quand je jouerai tout seul pour m'amuser à mettre des citrouilles, faire plus flipper, etc. Et comme dit, je pourrais toujours vous montrer ça, un de ces quatre, en vidéo, avec grand plaisir, les amis. Pour ceux qui ont compris le délire, hein, j'ai envie de faire ce qui me plaît en vidéo, c'est tout. Donc, ma aventure, la série se termine, mais toujours des petites vidéos si j'en ai envie. Donc, pas forcément toujours, ça peut être tous les 6 mois, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire. Mais je ferai des vidéos voilà, pour vous montrer un petit peu les changements. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas, j'ai perdu mon casque. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. À laisser des commentaires, évidemment, c'est très important. Je les lis, vos commentaires, ça n'a pas changé. Mkolo, il a pas changé, les mecs. Hein. Je fais ce qui me plaît, mais je lis vos commentaires parce que, bah, avant tout, c'est vous le plus important selon moi, tu vois. Donc, je lis vos commentaires avec grand plaisir, même si j'ai pas souvent le temps de répondre à tout le monde. J'essaie de répondre au max. Souvent, j'adore vos commentaires justement pour vous montrer que je les ai vus et que je kiffe ce que vous m'aviez mis. Donc merci beaucoup à tous, rendez-vous pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, ciao tout le monde.